ciel de gloire. Praise the Lord, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Bien-aimés, je me tiens devant vous parce que j'ai donné l'ordre de mettre une préambule sur Internet comment est-ce que le Togo va devenir Israël spirituel. Alors je suis là pour parler de cela. Avant de parler, je vais chanter. Après cette chanson, je vais prier. Et par la suite, la manière dont le Togo va devenir Israël spirituel, pourquoi? Pourquoi? Les raisons, je vais vous donner les raisons. Alors fais un avec moi. Nous allons chanter et après, je vais prier. Tout le Togo deviendra pour le Togo. Tout le Togo sera pour le Seigneur Jésus-Christ. Tous. Tout le Togo deviendra Israël spirituel. Tout le Togo deviendra Israël spirituel. Tout le monde entier deviendra la portion d'Israël spirituel. Tout le monde entier, au nom de Jésus-Christ, deviendra la portion, la propriété d'Israël spirituel. Tous. Toute l'Afrique deviendra la propriété d'Israël spirituel. Toute l'Afrique deviendra la propriété d'Israël spirituel. Tous. Tous les présidents deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde entier deviendra la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Tous. Tous les Américains deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Tous les Américains deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Tous les Français deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tous. Tous les Chinois deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tous les Chinois deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tous. Tous les militaires, tout le corps, toutes les unités deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Tous les soldats, les militaires deviendront la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Tous. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, je prie que la manière dont tu feras en telle sorte que le Togo deviendra Israël spirituel, un mois, et ce que tu as dit s'accomplisse. Papa, merci, parce que le message qui va sortir, donne-moi la sagesse afin que je puisse donner ta parole. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci, car tu as changé Togo en Israël spirituel. Ceux qui sont tes enfants, ce sont eux seuls qui vont venir. Tous les enfants du ciel, peu importe où ils sont, dans les pierres, dans les arbres, oh, tu les as rassemblés tous en Israël spirituel. Ceci est ta gloire. Oh, tu as juré de le faire. Qui peut t'empêcher? Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Et je crois que c'est accompli. Amen. Alléluia. Bien-aimés, après la prière, je vous ai dit pourquoi
Dieu veut changer Togo en Israël spirituel. Je vais vous l'expliquer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, je vous fais savoir que Dieu change les eaux amères en eaux douces. Et la parole de Dieu me dit que là où abonde le péché, c'est là où aussi abonde sa grâce. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont besoin alors de la grâce de Dieu. Les raisons pour lesquelles Dieu veut changer Togo en Israël spirituel et le monde entier, toute espèce, toutes les âmes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, toutes les semences du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va les rassembler en Israël spirituel. Vous allez l'écouter bientôt. Mais avant, je vais vous lire deux versets pour vous fortifier. Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Voici. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonné rien de ma soit part? Étonné de ma part. Alléluia. Alléluia. Rien. Dieu dit qu'il est le Dieu de toute chair. Le Dieu des Blancs, des Chinois, des Arabes, des Coréens, des différentes couleurs, il dit que c'est lui qui t'a créé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est impossible? Non. Il n'y a rien. Il peut tout faire. Oh, praise the Lord. Il peut tout faire. Le Dieu d'Abraham qui a créé les cieux et la terre peut tout faire. Il peut tout faire. Le Dieu d'Abraham qui a créé le ciel et la terre peut tout faire. Il peut tout faire. Le Dieu de Gabriel qui a fait le ciel et la terre peut tout faire. Il peut tout faire. Le Dieu d'Isidore qui est grand, qui a créé le ciel et la terre, peut tout faire. Il peut tout faire. Le Dieu d'Élisée, qui est grand, qui a créé le ciel et la terre, peut tout faire. Il peut tout faire. Le Dieu de Christine, qui a créé le ciel et la terre, peut tout faire. Il peut tout faire. Le Dieu de Moïse, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Oui, il peut tout faire. Le Dieu d'Abraham qui a créé le ciel et la terre, oh, peut tout faire. Il peut tout faire, certainement. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Oui, il peut tout faire. Bien-aimé, je vais encore lire le deuxième verset, Ésaïe 60, versets 20 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Ton soleil ne se couchera point, et ta lune ne s'obscurera plus, car le ténèbre sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Alléluia. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je châtirai ces choses à leur temps, à leur temps. Alléluia. Notre Dieu dit que ce petit pays qui le fera de grands pays, ce pays qui n'y a rien qui va le transformer en un grand peuple, il dit que ton soleil
Le Togo que Dieu va changer en Israël spirituel, que son soleil ne va plus s'éteindre. Ta lune aussi ne sera plus éteinte. Que lui-même Dieu deviendra sa lumière. Qu'il n'y aura plus de pleurs, de lamentations. Et ce sera les Juifs qui vont vivre dans ce pays. C'est les Juifs qui vont obtenir ce pays. C'est notre Dieu qui l'a dit. Il est Dieu. Alléluia. Rien n'est lui impossible. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que toi tu as dit? Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est souverain, car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Raison pour laquelle il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il va même pas aller demander la permission à l'ONU, la CDAO, les États-Unis, l'Union Européenne, l'OTAN, la France, l'Allemagne, non, la Russie, non, il fait ce qu'il veut. Il est souverain, alléluia. Bien-aimé, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ veut changer le Togo en Israël spirituel est ceci. Parce que le Togo est un pays, un tout petit pays, mais ce pays, hey, c'est un pays vraiment caduque. Tout ce qui est abominable se trouve dans ce pays. Toute catégorie de destruction, c'est au Togo que tu le verras. S'il faut faire des coups d'État dans le monde entier, c'est au Togo qu'on le fait. Pour voler les élections, truquer les élections, voler les gens, roubler les gens. Prendre la femme de quelqu'un, tuer cette personne, c'est au Togo que tu vas le trouver. Les vautours, tout ce qui est sacrilège, oh, tu le verras au Togo. Mais la question est, la prise de pierre, les luttes, Evala, Yakayaka, Agbogosa, Aizan, Etezan, Ferdinand, Federico, c'est au Togo que tu le verras. C'est au Togo que tu le verras. Akpema, c'est au Togo. Les gens forts, c'est au Togo. Certaines personnes s'appellent Ekokosi, Anaposo. Ils disent que ah, ce sont eux. C'est au Togo que tu le verras. Prendre quelqu'un pour installer un gris-gris ou fétiche, c'est au Togo. Une vierge pour installer un gris-gris. Tuer quelqu'un, enlever son cœur. Prendre une femme vierge, le tuer. Un enfant vierge. C'est au Togo que tu le verras. Enterrer femme ou bien sacrifier une femme et sa fille, son fils à un vautour, c'est au Togo. Construire une maison sur des fétiches, c'est au Togo. Les sacrilèges, les vrais sacrilèges, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je ne sais pas s'il y a des sacrilèges qui sont bonnes. Des choses abominables, c'est au Togo que tu le verras. Oh, la non-pitié, c'est au Togo que tu le verras. La méchanceté, l'endurcissement de cœur, frapper quelqu'un et lui dire de ne pas pleurer, prendre des gens, ce qui les appartient, et commencer à lui donner un peu à manger, c'est au Togo. S'il te dit qu'il va te tuer, il va te tuer, c'est dans ce pays que tu vas le trouver. C'est un pays, si tu as écouté, tu n'as pas écouté, si tu as vu, tu n'as pas vu. Tu n'as pas la bouche de parler, si tu parles, tu es mort, c'est au Togo que tu vas le trouver. Au Togo, il y a toutes choses. Mais c'est ce pays. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a aimé ce pays. Alléluia. Mais c'est un tout petit pays. Abominable. Mais c'est ce pays que Dieu a aimé. Il dit qu'il est au ciel. Qu'il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses abominables dans ce pays qui plaisent à Dieu. Mais sa grâce est abondante sur ce pays. Parce qu'il nous a dit quelque chose dans Marc 2, 15 à 17. Dieu est venu manger avec les prostituées, les gens qui sont rien, insignifiants. Et les gens ont dit, oh, celui-là, ce n'est pas injuste. Si c'était injuste, il ne pouvait pas choisir le Togo. Il y a des bois, des pierres érigées comme Dieu. Les champs sont des places de Dieu. Les forêts sont des places de Dieu. Leur Dieu. Mais
Dieu a dit que c'est dans ce pays qu'il va manger, qu'il va boire. Qu'est-ce que l'homme a à dire à Dieu? L'homme n'a rien à dire. Bien-aimé, prête-moi l'oreille et écoute attentivement. Là où il y a la fornication, le péché, c'est là où se rabonde la grâce. Les différentes catégories de sida, de couleurs de sida, c'est au Togo que tu vas trouver ça. Tu verras des choses abominables dans ce pays. Les avortements, tuer les gens, aller chez les charlatans, tuer les hommes, prendre leurs femmes. C'est au Togo que tu le verras. Aller à l'école. Mais sans les examens, il sera le premier. C'est au Togo que tu le verras. Mais c'est ce pays que Dieu a aimé. Bien aimé, en ce moment, je veux que tu me prêtes ton oreille. Et la souffrance, c'est dans ce pays que tu le verras. Les riches, les milliardaires, c'est dans ce pays que tu le verras. Au Togo. Oh, tuer quelqu'un, piler les enfants pour les transformer en savon et avoir de l'argent, c'est ici que tu vas le trouver. Les Nigériens, tuer les Togolaises, les jeter dans les puits, c'est au Togo que tu le verras pour avoir de l'argent. Les sectes, les cafés, cacao, les grands voleurs, c'est ici que tu le verras. Les travaux champêtres, ceux qui sont des cultivateurs, celui qui va prendre des ouvriers, travailler pour eux, ne pas leur payer, c'est ici que tu le verras. Prendre le terrain de quelqu'un, le tuer, c'est ici que tu le verras. Bien-aimé, prêtez-moi l'oreille. Tous les Togolais ont souffert des années. Les Togolais ont souffert pendant les années. On a sucé leur sang, on les a tués. Ça a duré. La lagune de Baie, Ernest les a tués comme des mouches. Niasibé Yadema a tué, fatigué. Ses enfants ont tué en vain. Et ils continuent encore à tuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors vous allez l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, ce qui se passe est que Jean 3, il y a deux choses qui se passent. Jean 3, verset 36. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tous les Togolais ont refusé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rejeté Dieu. Raison pour laquelle la colère de Dieu est sur ce pays. Les Togolais, toi qui m'entends en ce moment, ils ont refusé Jésus-Christ. Ils sont remplis de la malice. Passer en bas de son frère, parler de son frère, de sa sœur, ils aiment ça. Ils ont refusé, rejeté le Seigneur Jésus-Christ et la colère de Dieu est sur le pays. Et il a dit, ah, je vais montrer à ce peuple, je vais tirer leurs oreilles. Je les ai criés pour qu'ils m'adorent, mais ils ont refusé. Ils ont pris des pierres pour leur Dieu, des arbres, des bois. Plusieurs au Togo ne savent pas qu'il y a un Dieu. Le seul Dieu qu'ils connaissent, c'est la pierre. Pour eux, certaines personnes, c'est le soleil. Certaines, c'est l'eau. Certaines personnes, c'est les cimetières. Certaines personnes, ce sont des bagues, des amulettes. Et la sorcellerie est dans ce pays. Oh, la nuit, ils s'en vont dans le monde de la sorcellerie, manger la chair humaine et revenir. C'est fini. Ils ont refusé. Et Dieu, la colère de Dieu est sur eux. 1 Jean 5, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Togolais, ça c'est notre problème. Nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ.
alors nous n'avons pas la vie. Si vous voyez la vie de tous les Togolais, ils n'ont pas la vie. Oh, tout Togolais, ah, je vais apparaître. Non, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, non. Je vais le tuer. Alors ça, c'est la vie des Togolais. Je ne vais jamais le pardonner. Ça, c'est la vie des Togolais. Je vais le salir. Ça, c'est la vie des Togolais. C'est pourquoi Dieu a dit, que ferai-je de ce pays? Parce qu'ils m'ont abandonné. Je suis venu mourir pour eux, mais ils m'ont rejeté. La prostitution, l'adultère, les Togolais, voilà. L'adultère, voilà. Le vol, les drogues, l'ivrognerie. Non, recevoir Jésus-Christ, non, non, non. La fornication, les places de prostitution, décor, agoué, décor, voilà. Faire les choses abominables, ignobles. Les Togolais, boire un peu, manger un peu, se coucher avec les femmes, voilà. Ça, c'est les Togolais. Ils aiment ça. Bien-aimés, ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Et Dieu a dit, ce pays, cette nation, que ferai-je de cette nation? Dieu a voulu nous chicoter, nous corriger. Alors, la punition de Dieu, de tous les côtés, fait que nos cœurs sont plus endurcis. Ah, si nous attendons qu'il y a cette amulette qui fonctionne, ah, ils courent pour aller faire des fétiches. Venez vers Jésus-Christ, ils ne veulent pas, bien-aimés. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu a dit, mais que ferai-je? Que ferai-je? Sylvanus Olympio, c'est eux qui ont amené Ablo, le démon Ablo. Ablo dit, qui est ce démon, qui est Satan. Lui-même s'est confié à ce démon qui s'appelle Satan, Ablo. Il a fait une alliance avec Ablo. Que nous n'avons pas mourir, nous serons vivants, en bonne santé. On va vivre longtemps, voilà. Parce qu'on connaît le papier. Dieu, oh, toi reste à quelque part. Gris-gris, viens. Oh, je vais faire des gris-gris. Si on tire sur moi, des charmes. Si on tire sur moi, non, je n'aurai pas les balles. Je vais avoir des enfants bien prospères. Après moi, les enfants viendront me remplacer. Je changerai le Togo en petit Paris. Petit Suisse, mais pas Dieu, hein? Pas Dieu. C'est eux qui ont amené ces démons dans le pays. Ils ont fait des alliances avec les démons. Ce démon qui s'appelle Ablo, le palmier, Ablo dit. Aujourd'hui, ce palmier est tombé. Ce Ablo ne va pas nous donner la vie. Qui est Satan, le diable? Olympio devait recevoir Jésus-Christ depuis longtemps et les Togolais seront libres. Mais il est parti prendre Ablodi. Et le remerciement de Ablo, c'est sa mort. Comme Dieu a sait que nous l'avons rejeté, refusé de le recevoir comme Seigneur Sauveur, celui qui a le Fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la mort. Nyasibé Yadema, le prince du Togo. Et Yadema, qu'est-ce qu'il dit? Les gens sont finis. Et Yadema veut dire les gens sont finis. Après les avoir maltraités, ils vont finir. Togo, esprit sous-marin, esprit marin, esprit des Ablo, esprit du diable, esprit sous-marin. Tous les Togolais vont toujours en bas. Ils ne vont jamais en haut. Même s'ils sont à l'étranger, ils parlent des gens passés. En dessous des gens, mentir, dénigrer la personne. Le Togolais n'aime pas son frère. C'est un esprit. Ils ne s'unissent pas. Si tu veux faire quelque chose, n'appelle pas le Togolais. Il va le détruire. C'est un esprit. Sylvanus Olympio a amené cet esprit. L'unité, non. Mais la division, oui. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour ce pays, cette nation? Sylvanus Olympio est parti amener l'esprit à Blanc. Ses enfants, Gilles-Christ Olympio, lui aussi, au lieu de recevoir Jésus-Christ, a dit non, jamais. Il est parti prendre les esprits de l'Inde. Les esprits de l'Inde. Alors, il a choisi de faire un avec Fort Nyasibé.
Il fait allégeance aux esprits des aïeux. Salut à toi, pays de nos aïeux. Et les gens sont au garde-vous. Nos aïeux. Les aïeux. Salut à toi, pays de nos aïeux. Le pays de nos ancêtres. Est-ce que ton ancêtre qui a créé le Togo, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un bon nom aussi. Togo, ça veut dire esprit sous-marin. Alors comme Jules a su que c'est fini pour lui, il a voulu s'unir avec Fort pour encore manger. Alors cet esprit a rappelé les Togolais. Oh, tu vas faire la délivrance pour l'esprit d'adultère, la fornication fatiguée. Dieu m'a fait sortir de cet esprit. C'est pourquoi je vous le dis. Le problème du Togo. Esprit sous-marin. Esprit marin. A pris le Togo. Tu vas écouter, on va appeler cette ville Vaughan Hébert. Ce quartier Hébert. Et puis il y a des noms bazar. Tablibo. Couvé. Des noms bizarres. On a donné des noms sataniques à toutes ces villes. Et c'est un pays où on verse le sang pour que les esprits viennent boire du sang. Les démons viennent de la mer à Palm Beach, les hôtels, se coucher avec les gens et retourner. Se coucher avec la maman, le fils, la fille. Non, ce n'est pas un problème. C'est la civilisation au Togo. Parce que nous avons refusé le Seigneur Jésus-Christ. Togolais, qui m'écoute, toi Togolais, dis que tu n'es plus Togolais, que tu es appartient à Jésus. Togo veut dire sous-marin. Et tu iras toujours en bas, tu iras toujours dans le monde marin. Ça, c'est le problème du Togo. Et aujourd'hui, problème sous problème, nous avons. Comme Dieu l'a su que Sylvanus Olympio, lui, il est parti prendre le démon à Blanc. Et on dit à Blondé, les gens disent Badja, largement. Mamie, Badja. Les serpents, largement. La prise de pied, largement. Et voilà, largement. La fête des haricots, la fête du manioc, les ignames, Badja, 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 Badja. Et on a donné le nom des démons aux villes. Atakpamé, Anier, Sotoubois, Kanter, Sokodé. On a donné des noms des démons aux villes, aux villages. Et ce sont ces démons qui règnent sur ces villes, sur ces villages. C'est Sylvanus Olympio qui a amené tous ces démons. Pour le remercier, l'esprit l'a tué. Au lieu que son fils reçoive le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a refusé. Il est parti prendre l'esprit indien. Et il est parti en élection pendant des temps, des années, mais il n'a jamais gagné. Parce qu'il gagne, mais l'esprit dit qu'il n'a pas gagné. Quand il gagne, l'esprit dit toujours qu'il n'a pas gagné. Parce que ce n'est pas l'esprit et démon qui intronise, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui intronise. Mais comme Dieu cherche quelqu'un, il ne trouve pas, alors il les a confiés aux démons. Les Nyasingbe et Yadema, je vais les maltraiter. Après les avoir maltraités, il n'y aura plus personne. Et Yadema, les gens sont finis. Les gens sont finis. Nyasingbe et Yadema. Et Yadema, vraiment, il n'y a vraiment personne. Il a vraiment maltraité les Togolais. Les Togolais qui sont des fils sous-marins ont souffert. Ceux qui doivent fuir la journée, ils fuient 24 heures sur 24 heures. Quand tu entends que Yadema t'appelle à 4 heures, alors on te confie au lion. Ernest arrive, hein. Si Ernest conduit, tu ne peux pas le dépasser. Il va t'arroser, te tuer. Et il va appeler ses gardes de venir prendre un chien qu'il a tué. C'est comme ça qu'il appelle les gens. Parce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont confié leur cœur aux arbres, aux pierres, aux hommes. Et ils sont détournés de Dieu. Les Togolais, ça c'est leur problème. Ils ont refusé la vérité. Ne dis pas la vérité à un Togolais. Il va te saboter. Et ne fais pas route avec lui. Il va te saboter. Ça, c'est l'esprit qui est en eux. L'esprit de Judas Iscariote. Ça, c'est l'esprit de l'amour d'argent. L'amour, l'envie, la sorcellerie. Oui, les Togolais. Nous tous, on est concernés.
On a refusé le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a confié aux démons. Il nous a laissé aux démons. Et il y a des démons, ce sont des démons incarnés qui sont venus régner et qui sont en train de maltraiter les humains. Et il y a des démons qui ont maltraité les gens. Il a tué pendant 38 ans. 5 ans, je l'ai fait. 10 ans, je l'ai fait. 15 ans, je l'ai fait. 20 ans, je l'ai fait. 25 ans, 30 ans, je l'ai fait. Pain. Mais disant, pain. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Oh, on a dit, il y a des mains morts, les gens ont fêté, oh, on est libre. Si vous ne recevez pas Jésus-Christ, vous ne serez jamais libre. C'est Jésus-Christ qui donne la liberté, la paix. Si vous refusez de recevoir Jésus-Christ dans vos vies, vous n'avez pas la vie et vous ne pouvez pas vivre. Quand il y a des mains morts, les Togolais sont fiers. Eh, Abrodé, Badja, oh, on est libre. Oh, un changement. Oh, bien-aimé, abordé, large, ablo. Ça veut dire esprit sous-marin, large, grand. Togolais, sois fier. Ablo, grand. Oh, Togolais, sois fier. Ablo, grand. Oh, nous voulons que les choses aillent bien, qu'il y ait un changement. Mon frère, qu'il y ait ablo, qu'il y ait grand. Changement. Tu ne peux pas avoir un changement sans Jésus-Christ. Avant qu'il y ait un changement dans ta vie, il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne régner dans ta vie. Seul lui, tu peux être fier qu'il y a des mains morts. Si tu refuses de recevoir Jésus-Christ, il n'aura aucun changement. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais celui qui a le Fils a la vie. Alors c'est vrai que nous, les Togolais, jusqu'au pasteur, ce sont des menteurs. Les Togolais, les leaders, le mensonge. Ils ne veulent pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Les pasteurs n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité leur fait mal. Les leaders togolais, les pasteurs, ou les catholiques, ça c'est l'église des démons évangéliques. Ça c'est pour les prostituées. Catholique, c'est la Babylone. Ça c'est la mère de la prostituée. L'église presbytienne, Pentecôte, assemblée des démons. Pentecôte des démons, ils n'aiment pas la vérité. Toutes les églises, les démons qui les conduisent, ils ont refusé d'écouter la vérité. Ils ont leur propre doctrine et non la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Mitre, il disait à l'époque qu'il était uni avec Yahvé. Il n'a pas donné Jésus-Christ à Yahvé jusqu'à ce que Yahvé ne meure. Fort Nyasibé, il est avec lui, il ne l'a jamais donné Jésus-Christ. Lui aussi est président. Il est encore vivant. Ils ont refusé Jésus-Christ et ils ont leur propre doctrine. Les pasteurs du Togo, en Afrique, dans le monde entier, ce sont des menteurs. Ils ont leur propre doctrine. Ils ont leur propre doctrine. Non, pour celui de Jésus-Christ, pas question. Ils n'aiment pas écouter cela. La seule église que les présidents vont aujourd'hui, les présidents vont, c'est le christianisme céleste. Parce qu'ils savent que les pasteurs sont du menteur. Au moins, le christianisme céleste, quand tu t'en vas là-bas, ils vont te chicoter. Ils vont te chicoter. Au moins, ils vont te chicoter. Au moins, ils corrigent un peu. Les présidents, les ministres vont là-bas. Ils vont là-bas. Les députés vont là-bas. C'est vraiment dégueulasse. Togo. Sous-marin, l'esprit sous-marin. Dire la vérité, non. Mais mentir, oui. Si tu dis la vérité à un Togolais, ils vont te tuer. Ils vont passer partout pour te tuer. Togo, tu as vu, tu n'as pas vu. Tu as écouté, tu n'as pas écouté. Et ne dis rien. Si tu dis, c'est fini pour toi. Le leader togolais, 2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le refusez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe
à ces mauvaises œuvres. Alors, il y a des mauvaises œuvres au Togo. Ils n'ont pas la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont leur propre doctrine. Ça, c'est l'Église divine, telle. La parole de telle. Ami de Christ, telle. Ami de quoi. Toutes les églises ont leur propre doctrine. Mais pour Jésus-Christ, non. C'est pourquoi le Togo est sous la mer et il souffre. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un libérateur. Trop, c'est trop. Togo, bien-aimé, n'existera plus. Amen. Parce qu'il est jour. Un jour est venu. Alléluia. Il y a un jour qui est arrivé. Alléluia. Et ce jour est que Dieu veut prendre le bois sec. Alléluia. Il a trouvé un bois sec. Il a ressuscité ce bois. Alléluia. Il a ravivé cet arbre, ce bois sec. Comme Dieu n'a trouvé personne, il a ravivé. C'est la raison pour laquelle on vous a maltraité. On vous a confié aux démons sous-marins, les Nyasigbe. Maltraiter la personne qui est fraudeur, démon faible. Ils sont des fraudeurs pour frauder parce qu'ils viennent du monde sous-marin, frauder, faible. Ils se disent forts, mais faibles. Ils aiment frauder comme il le faut. Les Nyasibé, les faux pour frauder, il est faible, mais il se dit fort. Que tant qu'on est unis, on devient fort. Ils s'unissent avec les démons. Et quelle force obtiendrez-vous en vous unifiant avec les démons? Quelle force? C'est ce qu'ils disent. Quand vous vous unissez dans le mensonge, dans l'adultère, la fornication, dans le vol, dans le mensonge, quelle force y a-t-il là-bas? Aucune force. Absolument rien. Vous devenez faible. Et ils disent, tant qu'on est unis, on devient faible. Dans le mensonge, quand vous vous unissez, vous devenez faible. Si vous vous unissez avec les démons, vous devenez faible. Si vous allez chez les charlatans, les consulter, vous devenez des charlatans faibles. Faibles, toujours faibles. Il n'y a pas de pitié. Ils n'ont pas l'esprit de pitié en eux. Parce que les enfants de Dieu ont refusé leur Créateur. Et Dieu les a confiés aux démons afin que les démons puissent les maltraiter. Ça ne leur dit rien. Mais vous souffrez. Les enfants de Dieu, il n'y a pas au Togo. Mais Dieu a trouvé un bois sec qu'il a pris. Il l'a transporté et l'a planté au sommet d'une montagne. Ézéchiel 17, 22 à 24. Dieu a trouvé un bois sec et il a pris le rameau, il est parti le planter sur un arbre. Et tous les arbres qui se disent des bois verts, il va les abaisser. Vous allez voir ça dans ce pays. Vous allez voir ça face à face. Vous allez le voir. Je ne suis pas au Togo. Je suis en Israël spirituel. Alléluia. Je suis en Israël spirituel. Moi, je ne suis pas au Togo. Je ne suis pas togolais. Je suis de nationalité Israël spirituelle céleste. Togo va changer. Il deviendra Israël spirituel céleste. Le nom du Togo, il n'y a rien de bon là-dedans. Dieu m'a montré la manière dont les ténèbres ont couvert ce pays. La première expérience que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec moi, dans les 14 heures, j'ai vu que les ténèbres couvrent ce pays. Les gens sont hypocrites. Les gens, les enfants de la mer, qui s'appellent les Togolais, ils aiment l'hypocrisie. Ils vont prêcher, mais ils sont remplis d'esprit de malice. Il y a un pasteur sous-marin togolais. Il a dit que
Si on dit qu'un enfant de Dieu va conduire ce pays, c'est du mensonge. Mais il a dit qu'il a reçu la sainteté. Et il dit que si un enfant de Dieu va diriger ce pays, c'est du mensonge. Oh, et il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ont des fusils, des armes. Les militaires qu'ils ont. Hey, qui? Tous les gris-gris qu'ils ont, des vrais gris-gris. Les sacrifices qu'ils font. Un pasteur qui parle de la sorte. Un pasteur qui parle de la sorte. Il ne croit pas. Et oh, que ça, non. Oh, c'est pas notre temps. Nous allons tous mourir. Et puis après tout, c'est toi qui vas mourir. Tu vas le voir vis-à-vis. C'est toi qui vas mourir. Togo, on peut les joindre avec les armées américaines de l'ONU, de la CEDEAO, les armées sous-marines. Jésus-Christ va régner au Togo. Alléluia. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un libérateur. Regardez, les militaires, ils souffrent parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ. Si on leur dit d'aller sur la route, les soldats demandent de l'argent vis-à-vis qu'il n'y a pas. Hein? Toi-même, tu sais. Ah, le pays là, c'est dur. Hein? Les militaires togolais, ce sont eux les voleurs. La malédiction, ils ont refusé Jésus-Christ dans leur vie. Tuer les gens, prendre de l'argent, oui, c'est ce qu'ils font. Mais tu ne verras jamais les traces. Mais si tu veux parler de ce qui se passe dans le pays, ils vont te tuer. Mais écoutez très bien. Si c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre qui m'a appelé, je suis un bois sec et Dieu m'a appelé. Et tu dis que tu es fort, que tu es militaire, soldat, que tu as quoi. Tu me touches comme ça, tu seras enflammé et tu seras devenu de la cendre. Tous les militaires, si vous essayez, vous allez être détruits en une minute. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a appelé. Je me tiens au nom de Dieu Tout-Puissant dans l'autorité qu'il m'a donnée. Quand j'ai fait mes traités les 14 heures, on l'a amené à Kara, au Togo. Un soldat m'a appelé. Quelle autorisation as-tu reçue avant de distribuer ces documents? Et je lui ai posé la question. Oh, je n'ai aucune autorisation de cette terre, mais j'ai une autorisation suprême. Alléluia. J'ai une autorisation suprême. Le Dieu suprême m'a donné l'autorisation de parler. Tu ne peux même pas brancher. Et tu ne peux même pas t'approcher de moi. N'ose même pas. Si tu veux oser, tout ce que vous faites dans ce pays, si vous osez à me toucher, le jour où vous allez oser, la terre va vous engloutir. Et ce sera la fin de votre vie. N'osez jamais. N'osez jamais. C'est comme ça que je lui ai répondu. Les Togolais n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Alors les Togolais, écoutez très bien. Je ne vais pas trop parler. Écoutez très bien. Toute l'Afrique a refusé Jésus-Christ. Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, partout. Toute l'Afrique a refusé le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé. Et Dieu les a confiés à la souffrance. Les manies. Togo n'est pas indépendant. Oh, on dit qu'on est indépendant. Oh, Togo n'est pas indépendant. Ce sont les Français qui dirigent, qui vous ont liés comme des esclaves. On est comme des esclaves d'Antiquité, mais on refuse de donner nos vies à Dieu, à Jésus. On a endurci nos cœurs, on a fermé nos oreilles. On ne veut même pas écouter le message de l'Évangile. On veut agir avec notre propre force. On veut utiliser les ressources humaines pour agir et interagir. C'est pourquoi Dieu nous a confié ces démons et ils nous ont maltraités pendant des années. On va prendre ta femme, se coucher avec elle et te tuer parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur bien-aimé. Je vais vous dire une chose, je ne vais pas utiliser assez de temps, que maintenant Togo ne sera plus appelé Togo parce que Dieu a trouvé une seule personne au Togo. Amen. Le jour viendra et nous tous, nous allons le voir. Bientôt, bientôt, Dieu a trouvé une seule personne au Togo. Les Togolais ne s'aiment pas.
même jusqu'à l'étranger, ils ne s'aiment pas. Ils sont les gens qui sabotent leurs frères. C'est l'esprit de la division pour les séparer. L'esprit qui divise, qui est dans les Togolais. Et Yadema a mis les Togolais dans ces liens parce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais le jour vient et il est déjà venu, les Togolais, écoutez très bien que Togo ne va plus exister. On ne va plus appeler Togo Togo parce que c'est un nom sous-marin. Togo veut dire sous-marin. Tous les quartiers à Lomé, Bossime, Saint-Jo, Akoresewa, Ebe, Kejananawe, Agwenka, Djidjole. Tous ces noms seront enlevés. Ce seraient des noms vivants qui viennent de l'Évangile, qui seront au Togo. Bientôt, vous allez voir fort, il sera faible. Fraude, votre fraudeur. Qui est faible, qui fraude, vous le verriez. Vous verrez ce qui s'appelle Nyasibé. Alors écoutez très bien les raisons pour lesquelles Dieu veut transformer Togo en Israël spirituel. Parce qu'il a écouté leur voix. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu, ils crient, ils appellent, ils invoquent Dieu. Mais ils appellent Dieu avec leur bouche. Mais leurs cœurs sont éloigné de Dieu. Mais on a vu une seule personne dans le pays comme libérateur pour passer par lui et libérer Togo afin que Togo devienne Israël spirituel. Togolais, écoute. Et tous les Togolais qui m'écoutent, c'est pas un bon nom, le Togo. C'est un nom de la fornication, de la tuerie, de la division, de traite comme Judas Iscariote. C'est un nom de mensonge, de l'envie, de la sorcellerie, de la prise de pierre, de l'orgueil, malice, médisance. Togo va devenir Israël spirituel. Mais avant de devenir Israël spirituel, toi qui n'as pas reçu le message de la sainteté, toi qui refuses de recevoir Jésus-Christ pour avoir la vie, si Togo est devenu Israël spirituel, tu ne peux pas rester au Togo. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, et qu'il soit ta vie, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie. Et tu ne peux pas rester en Israël spirituel. Parce que Satan a déjà mis tout en place. La trompette va sonner. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas laisser tout comme ça pour que la trompette sonne. Alors il a fait un miracle. Alléluia. Il a fait soulever son drapeau, son étendard et rassembler tous ses enfants en Israël spirituel. Toi, tu ne vas pas rester au Togo comme Togolais. Dieu veut déraciner l'origine du Togo. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Il ira à sa source, au fond de la mer, qui est l'esprit des serpents, la femme de serpent, quoi que ce soit, à Blanc. Tout cela, le Seigneur Jésus-Christ ira à la source et délivrer le Togo. Alléluia. Ce nom n'existera plus. Les enfants de Dieu, qui sont partout dans le monde entier, le Seigneur Jésus-Christ veut les rassembler dans les quatre coins du monde. Et Israël spirituel dominera sur tout le monde entier et recevra ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur. Et ils vont vivre pour lui. Toutes les maisons au Togo seront détruites. Personne n'apprendra plus sa maison, sa terre. Tous les marchés, les aéroports, les hôtels, les boutiques, les hôpitaux, les morgues. Tout reviendra à zéro. Les écoles, tout reviendra à zéro. Les routes, les places publiques. Et le Seigneur Jésus-Christ va transformer le Togo en Israël spirituel pour ceux qui vont aller au ciel. Le Togo que le Seigneur veut changer, écoutez très bien. Personne, tous les enfants de Dieu dans le monde entier, écoutez ceci, que Togo certainement va devenir Israël spirituel. Si tu es Togolais, tu refuses, tu seras chassé au Togo. Il y a un David qui va arriver. Il y a un David qui va arriver. Il ne viendra pas faire de la blague. Il viendra faire ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit de faire. Parce que le Seigneur lui a donné son cœur.
Le Seigneur lui a donné son cœur. Il est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Écrivez-le quelque part, vous le verriez. Vous le verriez. Cela s'accomplira. C'est Dieu qui l'a dit. Il ne ment jamais. Il a dit qu'il respecte sa parole plus que son nom. Il a dit à Jérémie, verset 12, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, Togolais, je vous le dis, je sonne la trompette que Togo ne va plus exister. C'est un nom qui vient du monde marin. Un nom de la drogue, des rastas, des démons, des vaudous, des serpents, de la fornication, de la sorcellerie. L'arbre qui a le Togo, Jésus-Christ va l'enlever et viendra planter un arbre qui s'appelle Israël spirituel. Il n'y aura plus les mèches et toutes ces catégories de trucs. Il y aura une seule église en Israël spirituel. Une seule église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et son nom est Église glorieuse, chrétienne, des saints de la maison de la gloire, Israël spirituel. Israël spirituel céleste. Le nom du Togo que Dieu veut changer est Israël spirituel céleste. Israël spirituel céleste. Tous les enfants de Dieu que Dieu a créés, eux, s'ils viennent, ils ne vont rien amener avec eux, avec elles. Ils viendront main vide. Là où on va te loger, on va te loger et tu vas te préparer pour le ciel. Il n'y aura pas des choses abominables dans le sexe. Quand tu le fais le même jour, tu mets le pénis dans la bouche de ta femme ou bien tu es en train de lécher le sexe de ta femme, le même jour, on va te déporter. Tu n'amèneras pas une femme que c'est ta femme. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, la femme est quelque part, l'homme est quelque part, les enfants sont quelque part pour le ciel. Écoutez très bien. Matthieu 19, 27 à 29. Vous devez abandonner tout et aller en avant et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ seul. Dans la sainteté, si David de là vient, moindre jour, moindre temps, la trompette va sonner. Alors, le Togo que Dieu va changer en Israël spirituel, ce n'est pas seulement pour les Togolais, mais pour les enfants de Dieu, pour lesquels il a versé son sang. Et on est en train de les maltraiter partout dans le monde entier. C'est pour ces gens-là que Dieu est en train de préparer Israël spirituel. Alors, si vous voulez venir, les bêtises que vous faites, les bêtises d'Europe, les bêtises des États-Unis que vous faites avec vos enfants, avec vos femmes, vos maris, les bêtises du Togo ne viendront pas, les bêtises d'Afrique ne viendront pas. Parce qu'il n'y aura pas des marchés, il y aura seulement un seul marché pour le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur prendra pour nourrir ses enfants sera unique pour tout le monde. Et si tu viens en Israël spirituel, ce n'est pas pour devenir un préfet, un député, un premier ministre, un avocat. Non, avocat, les jeux, tous ces jeux-là, c'est par terre. On va détruire toutes ces choses-là. Avocat, aveugle, les huissiers, tous ces gens-là, tous ces trucs-là ne vont plus exister. Alléluia. Il y aura seulement une seule télévision. Éternel, l'œil de l'Afrique, c'est le nom de la télévision. Une seule radio, Éternel, l'œil de l'Afrique. Une seule école. Il n'y aura plus les mathématiques X plus X, X, Y, les trucs, la trigonométrie, les thalèses, tout ça là, l'histoire, les langues que vous apprenez au campus, tout ça, tout là. L'Afrique, tout ça. Des bêtises là ne vont plus exister. Les Blancs nous ont torturés et ils nous ont donné ça comme histoire à apprendre encore à l'école. Quand est-ce que les Blancs apprennent vos histoires, leur langue? Quand est-ce que les Blancs viennent vers vous apprendre votre langue, vos histoires? Jamais, mais ils vous confient leur langue. Et tous les présidents de l'Afrique sont devenus des esclaves, plus qu'auparavant. Israël spirituel aura sa propre monnaie. Israël spirituel aura sa propre monnaie et nourrir toute l'Afrique. Et nourrir les enfants de Dieu. Et c'est en ça que Dieu va montrer sa puissance aux États-Unis, à la France, à l'OTAN, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine. On dit Union Européenne, Union Américaine, États-Unis, Russie. Mais l'Afrique n'est jamais unie. Les Blancs ne vont jamais accepter que vous soyez unis. Ils tuent parce qu'ils ont refusé de recevoir Dieu. S'ils se lèvent avec leurs avions, leurs bateaux, tous les Africains s'abaissent. Ils ont tué Kadhafi, Muammar Kadhafi, parce qu'il n'a pas Dieu.
Ils ont tué Thomas Sankara parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Sylvanus Olympio, ils l'ont tué parce qu'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Ça là, c'est passé. Mais Jésus-Christ veut changer Togo en Israël spirituel. N'essaie pas. Hey, n'essaie pas. N'essaie même pas. Daniel 4, 35. Toute la terre est néant devant l'Éternel. Toute la France est néant devant l'Éternel. Toutes les États-Unis est néant devant l'Éternel. L'Union africaine néant. ONU néant. ONU, Organisation des Nations Unies. Des sectaires. Des tués, des enfants de la perdition, des enfants de Satan, ils sont unis pour détruire l'Afrique. Ils sont là pour détruire l'Afrique. La CEDEAO, ils sont là pour semer du désordre en Afrique, pour amener les gens dans la franc-maçon. Avant de rentrer dans la CEDEAO, il faut être dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans beaucoup de sectes. Et c'est maintenant le moment. Le moment est là. Tous les enfants de Dieu vont triompher. Les enfants de Dieu vont triompher. Proverbe 28, 12. Les justes vont régner en Israël spirituel. Israël spirituel va prendre sa terre du Ghana, du Bénin. Et le Seigneur va regrouper tous ses enfants pour le ciel. Alléluia. Bien-aimés, si le temps arrivait et le Seigneur Jésus-Christ a changé Togo en Israël spirituel céleste, toi qui viendras résider, tu dois savoir que tu ne diras plus que je suis Ivoirien. Nous, les Ivoiriens, on est où là? On est où là? On est des enfants d'Israël spirituel céleste. Et on te mettra là et tu ne feras même pas de bêtises. Quand tu fais de bêtises, on te rapatrie les condoms. Les trucs là, tout ça, ça ne va plus exister. Et il n'y aura pas de maladie. Les gens ne vont pas vieillir. Dieu va changer nos plumes. Nous allons marcher sans être fatigués. Il va changer nos plumes des gens qui sont en Israël spirituel. Alléluia. Il va changer nos plumes comme des aigles. Alléluia. Il est temps. Je ne vais pas beaucoup parler. Bien-aimés enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier, c'est une vérité, Ésaïe 42, 23. Dieu veut soulever son étendard. Il veut rassembler tous ses enfants pour les rassembler en Israël spirituel. Et ce bois sec, Dieu a ranimé. Tous ceux qui vont venir vont s'abaisser, s'incliner. Et ils vont dire, excuse, qui ne croit pas. Oui, parce que Dieu est Dieu. Et ceux qui s'appellent des Juifs, ils appellent eux-mêmes des Juifs. Et ils sont des Israélites. C'est eux et que les gens vont venir chez eux en Israël. Non, ce n'est pas là-bas en Israël. Ce n'est pas des Juifs là. Si tu vois, Apocalypse 3, verset 9, ils se disent qu'ils sont des Juifs. Mais ce sont des faux Juifs. Aujourd'hui, il y a des PD, des lesbiens. Israël est une terre de péché. En Israël spirituel, il n'y aura pas des lesbiens, des prostituées, de la franc-maçonnerie. De la franc-maçonnerie. Non, si on t'arrête, tu vas regretter. Il n'y aura plus de déchets en Israël spirituel. Alléluia. Et la parole de Dieu, sans du lieu, pue. Et ça, c'est notre église. Hein. Ça, c'est notre église. Hein. Ça, c'est fini. Il n'y aura plus cette chose. Tu peux prier que cela ne soit pas accompli. Oh, ta bouche va s'allonger jusqu'en haut. Ça va arriver. Parce que c'est Dieu qui a parlé et cela s'accomplira. Vous devez savoir que ce que Jésus a dit, Ézéchiel 17, 22, 24, Israël spirituel céleste, c'est Togo que Dieu a changé en Israël spirituel céleste. C'est accompli. Ézéchiel 34, 22, 24, Israël spirituel, il a choisi un seul David qui est le leader et puis c'est fini. Alléluia. Il n'y a pas deux David. Pour tous les enfants de Dieu qui veulent aller au ciel. Mais personne ne fera du combat et gagner Israël spirituel jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va montrer sa puissance, sa majesté à tout le monde entier. Les blancs vont trembler. Tout le monde va trembler sur la terre. Et on dira que c'est incroyable. Mais c'est vrai.
Israël spirituel, céleste. Togo deviendra Israël spirituel. Le nom Togo que Jésus-Christ va changer en Israël spirituel, céleste. Ce ne sera plus Togo. Israël spirituel, céleste. Toi qui viendras en Israël spirituel, céleste, oublie tes comportements, tes idées, tes connaissances, tes diplômes. Dépouille-toi. Tes études, oublie-toi. C'est seulement ton passeport que tu vas amener. C'est seulement ton passeport que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'amener quoi que ce soit. Pas même de sac. Ton passeport, venir et apprendre sa parole et aller au ciel, c'est tout. Tous les Togolais, écoutez bien et sachez-le qu'il n'y aura plus de Togolais. Oui, ça c'est du mensonge. Hein? Tu le verras avec tes yeux. Tu l'écouteras et tu seras surpris. Tes oreilles vont sonner comme de la trompette. Bien-aimé, regardez tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, ce que les gens vont manger, ils n'en ont même pas parce qu'ils n'ont pas le Fils de Dieu. Ils n'ont pas la vie. Aujourd'hui, nous réveillons, mais nous ne remercions pas Dieu parce que ce que nous cherchons, nous ne les avons pas. Mais certaines personnes, là où se coucher, ils n'en ont pas. Moi-même, je conduisais mon frère un jour. On a vu un jeune, il a mis son sac sur une table, il a pris de l'eau dans un sachet pour boire, pour faire la toilette. Et il a bu le reste et il s'est couché. Ça fait encore demain. Ce qu'il va manger, il n'en a pas. Quand mon frère a vu cela, il a dit, hey, alors il y a des choses qui se passent comme ça au Togo. Et je lui ai dit, oui, c'est ça. Togo, ce pays, c'est un pays sous-marin. Quelqu'un veut chier, il n'arrive pas à chier. Mais si nous faisons les besoins, nous ne remercions pas Dieu. Les gens veulent péter, mais si nous pétons, on parle de grandes choses. Tu me dis de remercier Dieu après avoir fait la toilette ou bien après avoir pété. Quelqu'un veut pisser, mais n'arrive pas à pisser. Les gens s'en vont en Europe pour dormir, mais ils n'arrivent même pas à dormir. Bien aimé. Maintenant, donnons nos vies à Jésus-Christ. Parce que nous sommes venus sur cette terre main vide et nous allons encore retourner main vide. Vanité des vanités, tout est vanité. Salomon l'a dit. Tout est vanité. Bien-aimés, je vous fortifie que tout ce qui se passe sur cette terre, si nous nous réveillons, remercions notre Dieu. Et les Togolais, et le Togo que Dieu veut changer en Israël spirituel, vous avez souffert des années. Alors il a écouté vos voix, vos cris pour vous sauver. Alors tournez vers lui. Le message de la sainteté, il a interdit aux femmes de porter des mèches, les boucles d'oreilles, les rouges aux lèvres, les maquillages, les bagues de mariage, les fards, les parfums, les vernis, les condoms, les perles, les pantalons, les hauts talons. Tout ce qui est impur, de ne pas se dépigmenter. Que l'homme ne met pas son pénis dans la bouche de sa femme. Et l'homme aussi ne met pas sa langue dans le vagin de la femme. Tournons-nous vers Dieu. Alors oui, il va nous aider. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les gens se battent. Qu'ils ont des nations derrière eux. Mais ce sont ces mêmes pays qui sont derrière eux qui les tuent. Kadhafi. Les nations étaient derrière lui. Mais ce sont les mêmes nations qui les ont tués. Ce sont les mêmes nations qui l'ont tué. Beaucoup de gens. Les gens sont derrière des gens. Gbagbo, Côte d'Ivoire. Les gens étaient derrière lui. Gbagbo, 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 Bo, 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 Bo. Alors maintenant, ça devient Gbagbo. Cassons-le, 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 cassons Gbagbo. Ils se sont levés contre lui. Lui-même, son premier ministre, Guillaume Soro, c'est lui qui l'a sacrifié. Repentons-nous. Partout où tu es au Gabon, il est temps que nous quittons Gabon. Gabon, l'esprit de Gabon aussi, ils ont aussi leur Gabon. Si tu es au Gabon, l'esprit là, c'est l'esprit au vaudou. Tu ne vas pas donner naissance à un seul homme. Ah oui, c'est un démon. Si tu as 5 fils, alors tu dois avoir 5 hommes.
C'est un esprit de la contamination. Gabara. Contamination. Les sirènes. C'est aussi un pays des sirènes, Gabon. Nous devons quitter les sirènes et venir vers Jésus-Christ, les Gabonais. Nous devons quitter le Gabon, la fornication, l'ivrognerie. Ça, c'est l'esprit du Gabon aussi. Un homme gabonais ne se marie pas à une seule femme. S'il se marie, il renvoie. Divorce, il se renvoie, il prend. S'il a 10 fils, alors c'est 10 femmes. Nous devons quitter ces démons. Ivoirien, on est où là? Maintenant, on est en Jésus, ivoirien. Faroté, il n'y a plus ça. Maintenant, là, on donne notre vie à Jésus-Christ pour faire sa volonté. Ivoirien. Yako, il va détruire son frère tout de suite. Ivoirien. Il va salir son frère derrière toi. Il va te lever, il va t'abaisser. Ivoirien. Oui, ils ont l'esprit de Judas Iscariot. Ivoirien, s'il trouve chez toi, il va manger. Mais si pour lui arrive, non. Non, ça non. Ivoirien, chaud. Fais le chaud. Mangez comme il le faut. Les boissons. Voilà, empoisonner son frère. Voilà. Parce qu'il n'aime pas son frère. Laissons ces choses. Les Camerounais, la sagesse de Satan, l'orgueil. Proverbe 16, 18, la non-soumission. Nous devons quitter ces esprits, charlatans, sorciers. Nous devons quitter là-bas et venir vers Jésus-Christ. Les Béninois, les Vaudous. On doit quitter les Vaudous et venir vers Jésus-Christ. Le Béninois, s'il trouve chez toi, il va manger. Si c'est fini, c'est fini. L'amitié s'éteint là-bas. La mafia, le Béninois, le roublage. Venez vers Jésus-Christ. Les Ghanéens, les escrocs, les faits escrocs, ils sont puissants dans l'escroquerie. Les truc-man. Ils vont te truquer, te roubler tout de suite. Non, laissons ces choses. Venons vers Jésus-Christ. Le Nigeria. Oh non. Et c'est encore plus. Oui, dominer les autres. Si tu veux faire. Non, hey, c'est moi. Si tu veux lui dire la vérité, va dire non. C'est lui qui va te dire la vérité. Non. Si tu veux faire quelque chose avec lui et il ne serait pas le chef, alors la chose peut être gâtée. Ça, c'est le Nigeria, ça. On doit quitter ces choses. Les Français, la facilité, pour eux c'est la facilité, diviser les gens, semer du désordre. Il va prendre tout ce que tu possèdes et tu vas devenir son esclave. Voilà les Français, ils aiment ça. Non, le moment est venu, on ne doit plus porter ces caractères. Venons à Jésus. C'est maintenant le temps. Monde entier, repentons-nous. Venons vers Jésus-Christ. Si nous recevions Jésus-Christ, nous aurons la vie. Bien-aimés, le monde entier, les présidents, tous les présidents sur cette terre, je les exhorte. Parce que Satan a endurci leur cœur, il les a aveuglés. Il est en train de miroiter les richesses de ce monde devant eux. Mais ils vont partir, laisser toutes ces choses. C'est ce qu'ils cherchent. Le siège. Il est passé partout. Et ils se lèvent sur la pointe de leurs pieds. Ils essaient d'avoir le fauteuil. Ils passent par tous les moyens. Ils font tout possible. Et ils sont sur la pointe de leurs pieds et leurs mains en l'air. Mais à quelques minutes, si c'est l'homme qui est derrière toi et que tes pointes sont en l'air, oh, tu seras fatigué.
et les pieds seront fatigués, les bras aussi seront fatigués, s'abaisseront tout doucement, et le siège sera tombé, et tu n'auras plus le fauteuil. Soit la personne est renvoyée. Si c'est Satan qui te l'a donné, il va te le retirer. Si c'est les hommes qui t'ont mis là-bas, ils vont te tuer et te remplacer par quelqu'un. Toi qui vas venir encore, ils vont te tuer. Et c'est eux qui ont tué Kadhafi. Il disait qu'il est colonel, Kadhafi. Kadhafi se disait colonel. Mais regardez sa fin, ils l'ont tué. Il cherchait le bien de son pays. Mais les concitoyens disaient qu'il mange plus que les présidents. Vous devez faire attention que tout ce qui appartient au pays, vous allez le diviser, partager avec tout le monde. Si à la fin du mois, il y a quelque chose dans le pays, nous allons manger tous. S'il n'y a pas, tout va rester comme ça. Si c'est Vaudou qui te l'a donné, Vaudou va te tuer. Si c'est un militaire, il va te tuer. Si c'est la pierre viendra taper ta tête. Si c'est les gris-gris, tu seras frappé par les gris-gris. Si c'est les colons, c'est les colons qui vont t'enlever. Jésus a donné à David, mais il ne l'a pas retiré. Jusqu'à ce que David ne meure. Après, il a donné ça à Salomon. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance à Dieu. Les gens ne pensent pas que Dieu peut le faire. Mais Dieu qui l'a fait au temps de David, il est encore vivant. Alors, vous, les pasteurs, qui se lèvent contre Dieu, qui se boxent contre Dieu, Gamaliel a dit quelque chose. Actes 5, 38-39. Gamaliel a dit, si c'est vrai que ce que Gabriel a en train de dire, si cette entreprise que lui et Isidore et ses enfants ont fait, cette entreprise va se casser sur les têtes. Mais si c'est ce que Gabriel a en train de dire, si cela vient de Dieu, et alors si vous voulez boxer avec Dieu, vous blaguez, vous serez cassé. Si Dieu vous prend, vous allez vous transformer en cendre. Le pasteur togolais, Togo deviendra Israël spirituel. Un jour viendra, ce sera une surprise. Aujourd'hui ou bien demain, les ministres, les soldats, les présidents, un jour viendra, bah, ce jour-là, les anges de Dieu, vous les verrez avec vos yeux, face à face. Alléluia. Les militaires vont courir. Ils vont voir les voitures, ils vont aller à pied. Les présidents vont dire non, pas les voitures, à pied. Les pasteurs, ils vont voir les motos, les bateaux, ils vont prendre le pied. Je ne vous le souhaite pas. Venez vers Jésus-Christ. Israël spirituel, c'est la volonté de Dieu seul qui viendra. À part ça, non. Ah. Non, la volonté de l'homme, non. Mais la volonté de Dieu, c'est Dieu qui amènera David pour assembler les enfants de Dieu. Ils seront une nationalité Israël spirituelle céleste. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Togo aura trois noms. Israël, spirituel, céleste. Les gens qui sont du ciel, ce sont eux que Dieu va appeler. Et va les appeler partout dans le monde entier et les rassembler. Alors, c'est ce que je veux vous expliquer. Alors, vous allez voir toutes ces choses. Et vous verrez la manière dont tous les présidents viendront chercher la paix en Israël spirituel. Et le roi qui sera en Israël spirituel, personne ne sera riche comme lui. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et les nations sauront que, ah, ils diront, ah, est-ce la paix? Nous cherchons cette paix. Et la paix là, ici, comme ça. Et les gens viendront. Et David va leur parler. Comment se fait-il qu'il y a la paix dans ta nation? Et il dira, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, la préparation pour Israël spirituel céleste, c'est le ciel, c'est la préparation pour le ciel. Alors si tu aimes le ciel, fais vite, on n'a plus le temps. Satan a déjà mis les choses en place pour maltraiter les chrétiens après l'enlèvement. Alors je te fortifie, que le Seigneur nous aide, qu'il nous fasse grâce. Alléluia. Puissance, puissance à notre Dieu. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia. Alléluia.
l'autorité en éternel. À notre Dieu. Oh yeah. Qui est sur le trône. Sa main. Autorité. Autorité. À notre Dieu. Qui est sur le trône. Reconnaissance à notre Dieu, oh yeah. Qui est sur.